Et boum, kaboum. Ouais. Bon. Bah quelque chose me dit que c'est pas comme ça que je vais rentrer chez moi. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Subnautica. Troisième épisode de cette session, vous savez donc que ce sera le dernier en tout cas de cette session d'aujourd'hui. J'en referai peut-être une demain histoire de prendre de l'avance pour la semaine où je ne serai pas là. Je reverrai, on verra ça. Trois épisodes par session, faudrait que j'en fasse entre 2 à 3 par semaine si je veux prendre de l'avance la semaine pour la semaine suivante. Ça me permet en tout cas d'avoir le temps de les monter un peu plus calmement que de me coucher à 4h du matin pour les monter, ce qui est un avantage. En tout cas, on va aller voir ce qu'il en est au niveau du Sunbeam, comme vous voyez, du Sunbeam pardon, qui va donc se poser dans 23 minutes et 23 secondes. C'est un signe. En tout cas, le temps qu'il nous faudra pour parcourir les 1200 mètres à parcourir pour y arriver. Donc voilà. En attendant, j'ai quand même fait du farm. Je vous montrerai peut-être pas les images, mais en tout cas, on a de l'avance pour la suite. Je vous rassure. Finalement, je t'étape un petit peu large au niveau du temps. Alors, si je voulais, il me faudrait un titane et un cuivre. Deux choses pas trop dures à trouver normalement quand on va pas trop profond. Reste à savoir. Wow! L'accueil! Qu'est-ce que c'est que ça? Réacteur nucléaire, pourquoi pas? Il me faudrait juste un petit cuivre, hein. Genre. Toi! Aïe! Et merde! Non, ça va. Ça va, ça aurait pu être pire. What? Attendez! Il est à la surface, vous croyez que je... Casse-toi! Vas-y, je t'attends! Mais non, mais fais pas disparaître tes... Oh là là. Oh, je crois que je l'ai bugué. What? J'avais pas vu ce truc-là. Ah bah écoute, génial. Je suis à moitié aveugle, c'est cool. Vous m'aviez prévenu, mais maintenant je suis au courant. Je suis encore vivant! Oh! Non! Pourquoi tu m'as donné du titane? Tu pouvais me... Ah! Cuivre! Oui! Oh, bonjour. Captain. Nine. Ok, cool. Module d'intérieur. Radio. Sur la vitre. On va la mettre... On va la mettre là, précisément. Hop, on a un nouveau message. Je vous écoute. Oh! We've landed close to the Aurora. Flotation device is active, but we've got some big old fish in the water with us, and I don't know how long we're gonna last. Merde. Close to the crash site, so bring radiation protection. Four out. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. Tiens, c'est marrant, j'avais l'impression d'avoir déjà fait le numéro 4. Non? Bon, de toute façon, en tous les cas, on en a certaines qu'on a faites, certaines qu'on n'a pas faites. Et au-delà de ça, données téléchargées... Code et indice, j'en ai deux de plus, tiens. Emplacement d'installation alien. Centrale thermique, d'accord. Centre de recherche sur les maladies. C'est là qu'il faut que j'aille. Emplacement caverne contenant de nombreux fossiles. Non! Au sud-ouest de la plateforme armée. Non! Bon, bah, ok. Ok, centrale thermique, ok, emplacement à l'intérieur, générer de l'énergie pour toutes les autres installations. Sanctuaire A, sanctuaire B, données corrompues, données corrompues, laboratoire secondaire, données corrompues, installation principale d'isolation, données corrompues, d'accord. Et il y a tout ça. Capsule de survie localisée au niveau de la mer, d'accord, c'est cool. La capsule est située à proximité des retombées radioactives de l'Aurora. Oh, j'ai la transmission environ 150 mètres au nord-ouest à bâbord de la section intermédiaire de l'Aurora. Donc bâbord, c'est à gauche, c'est pas dur. Tribord, tribord, droite, bâbord, donc gauche. Au nord-ouest du bâbord de la section intermédiaire de l'Aurora. Donc à gauche, à 150 mètres au nord-ouest. Oh putain! De la section intermédiaire de l'Aurora, donc au niveau du milieu de l'Aurora.
sur le côté gauche, à 150 mètres au nord-ouest. Wouh! Faudra qu'on aille les faire, hein. Faudra qu'on aille les faire, je pense que c'est ce qui suivra dans l'épisode. Ok, apparemment il se passe un truc. On y est, chers amis. On y est. Je suis en train de bouquiner tranquillement et je peux pas. Voilà. Oula. Qu'est-ce que tu fous? Oups. Survivor, we see you. Man, I don't know how you held out down there. Ah moi, je vous vois pas, hein. Broken atmosphere, and we're descending towards the landing site. Is that a building down there? C'est ça, là. Aha! Le v'là. Bon, trouve-toi un endroit sympa pour te poser, quand même, hein. Et boum, kaboum. Ouais. Bon. Bah quelque chose me dit que c'est pas comme ça que je vais rentrer chez moi. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai un doute, hein. J'ai un léger doute. Je pense que je ne vais pas rentrer comme ça chez moi. Donc j'ai été invité en fait pas à un atterrissage mais à un feu d'artifice. C'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Bon. Bah ça c'est fait. Pas payé, hein. On aura essayé. Poupidou, pidou. Allez. Direction. Capsule de survie. Putain. Viens là qu'on se marre. Ok. Bon bah j'ai loupé le rangement. T'es où, saleté? Tiens, bouffe! Ça fait mal, hein? T'es où? Ramène-toi, qu'on se marre deux secondes! On va sortir avec le prawn, tant pis. Et si je dis tant pis, c'est parce qu'en fait, ça va nous pomper de l'énergie. Salle de scanner, est-ce que je l'ai? Bah maintenant, oui. And way down we go. Oh, 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 oh. And way down we go. C'était un cul-de-sac. Sac, tac, tac, sac. C'était un cul-de-sac, tac, tac. N'arrive plus à savoir où je suis, puis, puis. Est-ce que c'était vraiment un cul-de-sac? Putain, je suis ailleurs, et merde. Je viens de me perdre. Oh putain, j'ai reperdu la sortie. Au nom de Dieu. Fusiastase, je dois pas l'avoir. Si je l'ai, je l'avais. Modification, je l'avais. Ok, faut que j'arrive à ressortir. Tout de suite. Ok. Ok.
Donc en fait, cette zone n'est qu'une entrée à la mort moelle-neu. Pourquoi pas? Respiration. Faut pas que tu te replantes dedans et que tu te perdes dedans. Allez. Déjà, on va commencer. C'est quoi ça? Question de modification. C'est pas important. On va commencer par essayer de visiter toute la zone. Voilà, ici, présente. Il n'y a rien de plus dans cette zone. Attendez. Ok. Connard. Ok. Ok. On vérifie toutes les zones potentiellement lumineuses. Station de modification. Inintéressant pour nous. Station de modification toujours. Encore. Et toujours. J'avais pas vu ça. Qu'est-ce que c'est? Combinaison de plongée renforcée. J'imagine que c'est pour de la défense. Qui peut être intéressant. À l'admettre. Peut être intéressant. C'était que ça par contre la zone. C'est aussi une perte de temps. Et puis d'ailleurs, ce n'est pas du tout ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, il est là-bas. Parlant de ce qu'on cherche. Non, j'estime que c'est plus dangereux d'aller par là qu'autre chose. On va se rentrer. Si. Je vais être sûr de rien oublier, mais... Comme qui dirait l'impression qu'ici. Non, en fait, c'était rien ici. J'ai intérêt à repasser, sinon je passe dans ce truc-là. En trichant. Ok, c'est bon, on est ressorti. Bon, en fait, non, cet endroit me servait strictement à rien. Aussi étonnant que ça puisse paraître. Oh merde, c'est bon. C'est bon, on s'en sort. Calmez-vous. Hormis le petit truc, c'est bon. Il y a un écran ici. No signal. Ok. Bon, j'espère ne pas m'être planté. Vis-à-vis de la quantité de choses que j'ai trouvées là-dedans. Vous me direz dans les coms si j'ai oublié quelque chose. J'ai plus d'énergie là-dedans. Waouh, la vache. Ça pue par contre. Ok, ça c'est fait. Bon, c'est toujours pas bon. Bonjour. Bon, caméra. C'est bête. J'ajoute que ce soit véritablement intentionnel. Ah, il est juste en dessous. Et des bestioles. Je suis obligé d'y aller avec le Prawn. Wow! Bonjour! Viens te la mettre si tu veux, y'a pas de soucis. Et te refaire la queue, moi. Ils sont du plus bas que prévu, mais tout va bien. Tout va bien. Ok, on risque d'avoir chaud. J'entends. Tu veux te la remettre? On va se la remettre, y'a pas de souci. Le problème, c'est que je vais gagner. T'es mort? Ça y est, t'es mort, là. Ok. Ça... C'est pareil, je veux pas en entendre parler. C'est chaud par là, dis donc. Bon, en tout cas, le life pod, il est juste là. Apparemment, il n'y a pas grand chose dedans. Si ce n'est un PDA.
Plus de piles ici pour ça. Regarde quand même parfaitement bien autour. Mais il semblerait qu'il n'y ait rien d'autre. Oh bonjour. Dis donc, t'es comme ton pote, t'es un peu trop courageux pour ta propre survie, c'est ça, non? Un instant, il semblerait qu'on soit pas trop loin d'une... Ah ah! Attendez, j'arrive à quitter, voilà. À 150 mètres à bâbord au nord-ouest. Attendez. Il serait plus ou moins à la surface. C'est ça, hein? Nord-ouest. 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 Et il serait à la surface. Il devrait pas être très loin alors. J'ai cru le voir à droite. On a un message radio, on va attendre un petit peu. Putain, je l'ai vu. Je crois. Ouais, c'est ça. On l'a trouvé. Ah merde. Ah, c'est couillon. C'est couillon, c'est censé avoir marché, mais pas terrible en fait. En fait, il a fait la flottaison, mais à l'envers. Ah, c'est couillon, c'est couillon, c'est couillon. Alors la vraie question, c'est est-ce que je peux encore rentrer dedans? Le mec, il s'en fout. Est-ce qu'il y a encore des êtres vivants? Bah les couilles. Est-ce que je peux rentrer dedans? Oui, non? Elle est là, la question. Ok. Je viens de me rendre compte de la dangerosité de l'endroit. Et donc apparemment, non. À la tapade. Et ici, nous trouvons un truc qu'on connaissait déjà. Génial. Ah, la capsule de survie 4. Origine de transmission à environ 400 mètres à l'ouest-nord-ouest de la dernière position connue de la capsule 4. On y est. Donc, 100 mètres de profondeur, 400 mètres à l'ouest-nord-ouest d'ici. C'est parti! Alors, ouest-nord-ouest, ça veut dire entre ouest et le nord-ouest, je précise. Ce qui veut dire environ 100 mètres de profondeur. On va y aller. Oula, pardon. Finalement, on va attendre un petit peu. Bonjour. Nord. Ouest. Alors, ouest. Entre ouest et... Alors là, on est au nord. Ouest. Ouest-nord-ouest, ça devrait être précisément ici à 100 mètres de profondeur. On est à 20 mètres. C'est à 400 mètres d'ici. Il a fallu que je mette une balise ici. Mais bon. À 100 mètres de profondeur, ça semble être cet endroit. Aïe, pardon. Autant pour moi. Et je crois que j'aime le voir. Voyons voir si je me trompe avec les caméras de contrôle, mais... Non, ça c'est autre chose encore. Si ? Non, ça c'est rien du tout en fait. C'est même carrément rien du tout. C'est cool ! Bon bah finalement, 400 mètres, ce serait bien un peu plus loin que prévu. Il aurait précisé si ça avait été à côté d'un biome de ce genre. T'as dit ? Là, il y a un truc. Ouais, je crois qu'on l'a. Je crois qu'on l'a. Malheureusement, on l'a, chers amis. Malheureusement. Bon. C'est pas la méga bonne nouvelle pour eux non plus, hein. C'est un bruit que je ne connais pas. Note. Allons-y. Alors qu'on boive un coup en rentrant. Bon, salut les filles. Désolé d'apprendre la catastrophe. Hop là. Bonjour. Mais du plomb. Tu m'étonnes que t'aies coulé. Avec autant de plans. Un autre PDA ici.
Ok, bon bah c'est triste. Alors, on en a donc fait 2, le 4 et le 6. Il nous reste plus que quoi en fait en... Voilà. Il nous reste la 7. Et je crois que la 7 on l'avait trouvé. Il me semble que la 7 on l'avait trouvé. Venez télécharger. Au labo. Survivant de l'Aurora. La 7. Apparemment non. Oh, pourtant, je pense qu'on l'a trouvé. Dites-moi si vous vous en souvenez, si on l'a trouvé ou non, la 7, dans les commentaires. Bon, alors je me rappelle pas du tout de cet endroit, mais bon. Apparemment, c'est normal, vu qu'on l'a pas fait. Bras lance torpille, il y a du prawn, on y va. C'est pas du tout là que je voulais être. Mais c'est pas grave. Génial. Du coup, on va mettre ça en 5. Ça en 3. On y va. C'est pas du tout là que je voulais être. Hein. C'est chiant. Mais c'est pas grave. Allez. Aïe. Ça m'est tombé droit sur la face. Génial. Batterie haute capacité. Combinaison de plongée renforcée. C'est dommage, celle que j'ai déjà trouvée il y a pas longtemps. Au prix d'énormes risques, mais c'est pas grave. Ça, on ne s'en souviendra pas. Malheureusement. Ok. Donc, il y a une porte au-dessus qui ne sert à rien vu qu'il ne s'ouvre pas. Ok. Bon, bah tant pis. Alors, regardez ici, il y a un autre truc. Je crois qu'il est pas tombé. Si, il est tombé. Il est tombé. Et c'est... Console d'amélioration de véhicule. Quoi ? Ok. Pas du tout à quoi ça correspond, c'est génial. Encore plus bas ? Ah. 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 Ah, je l'ai trouvé, ça y est. Wouh ! Tant bien que mal. En fait, on était juste à côté, mais on n'a pas été fouillé jusqu'au bout. Bon, en espérant que ce soit intéressant ce qu'il y a dedans. Genre là, on a un datapad. Ok, cool. Pas génial. Pas l'endroit, c'est marrant. Un autre datapad. Ok, apparemment, on a découvert un truc extrêmement important. C'est cool, hein, mais... Il m'a bien sorti un truc du style, il y a d'autres coordonnées quelque part, Marcus, fais gaffe. Voilà, à tout l'équipage, bonjour. Si vous lisez ceci... Cela signifie que vous avez suivi le signal d'adresse automatique diffusé par l'ordinateur de bord de cette capsule de survie, contrairement à mes ordres. J'ai été forcé d'évacuer, vous pouvez... Vous avez pour ordre de ne pas tenir compte de ma sécurité et de tenter d'atteindre les coordonnées de regroupement fixées sur l'île la plus proche. J'espère vous y retrouver. D'accord. Ok. Alors on sait déjà que non, on va pas s'y retrouver. De base. Malheureusement. Ok, en remontant, j'ai trouvé un autre truc. On va y aller. Sait-on jamais. Cet épisode commence à durer très longtemps pour moi en termes de tournage. On est pas loin d'une heure, une heure et demie. Quand même qu'on est plus près d'une heure et demie que... Voire même plus d'une heure et demie potentiellement. Attendez, je vais voir. Ouais, une heure et demie précisément. C'est la catastrophe. C'est-à-dire qu'il est plus de 17h ici. Ouah ! Mais bon, c'est pas grave. Ça entame juste mon temps de montage. C'est rien. Bonjour. Extinction d'incendie. Génial. Je crois que je l'avais déjà, mais c'est pas grave. Là, c'est ça. Et en plus, mon inventaire est plein de caca, j'imagine. Et manger. Boire. Bref. Faire ce que vous aimez faire. Modification, ça m'intéresse pas. Je vais prendre ça. Prendre ça, sait-on jamais. Je vais les poser dans la
dans la base, hein, y a pas de souci. Analyseur d'échantillons, excuse-toi. On va poser tout ça dans le vaisseau, enfin quelque part. Message radio. C'est parti. What? Just gonna have to meet us halfway. We've uploaded blueprints to the ship's computer. Sandwich run, you in? Yeah, give me a second. Black box data shows the high security terminal in the captain's quarters is still functional. Becky's leaving like in 5 minutes. All right, well, tell Becky I'll just take the regular. The regular? Yeah, she'll know what I mean. The code should be... And if she doesn't? Just tell her the regular, dude. Okay, il parle de sandwich. Je suis mourant sur une planète et il parle de sandwich. Oh, jambon fromage. Ce serait tellement bon. Un jambon fromage. Je veux un jambon fromage. Merde. Bande de connards. Je vous hais. Retour à la base, chers amis. Retour à la base, vu qu'il faudra qu'on refasse un passage avec... le Prawn à l'Aurora. Bon bah au moins on avance, on progresse, on ne se laisse pas marcher sur les pieds. On aura notre jambon fromage et moi je vous laisse les amis pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yo!